Bonjour, je suis Catherine, organisatrice des épreuves. Bonjour, Muriel, coach de formation dans le cadre des certifications professionnelles. Le but de cette vidéo est de vous présenter les grandes lignes de vos épreuves dans le cadre de votre formation. La condition requise pour le passage de vos épreuves finales est d'avoir terminé votre formation dans les délais impartis. Effectuez la totalité de vos devoirs, ainsi que votre dossier professionnel, réalisez toutes vos heures de stage, ou si vous êtes en poste, nous transmettre votre attestation ou votre contrat de travail. Bien sûr, pas d'inquiétude, votre coach vous accompagnera à chaque étape de votre formation, et cela jusqu'au passage de vos épreuves finales. Votre formation terminée, plusieurs dates pour le passage de vos épreuves vous seront proposées. Vous avez donc la possibilité de passer vos épreuves en présentiel sur les villes de Paris, Lyon, Valenciennes, Bordeaux, Nantes et Lille. Ou si vous ne pouvez pas vous déplacer, vous pouvez passer vos épreuves en ligne. Pour cela, il suffit simplement d'avoir un ordinateur équipé d'une caméra, d'une bonne connexion Internet et surtout être à l'aise avec l'outil informatique. Une fois vos épreuves passées, un jury composé d'une présidente, de trois professionnels du secteur et d'un rapporteur se regroupe pour statuer sur chaque dossier. Vos résultats vous seront communiqués 6 à 8 semaines après le passage de vos épreuves. Et enfin, il faut savoir également que si malheureusement vous n'êtes pas admis aux épreuves, vous avez la possibilité de vous présenter au rattrapage dans les 6 mois après la communication de vos résultats. Une fois de plus, nous sommes là pour vous. Et pour ma part, au plaisir de vous rencontrer lors de votre passage de vos épreuves en présentiel.